J'ai deux amours, mon pays est Paris. Gare à nous! Si nous ne prenons garde, des espèces venues d'on ne sait où prendront notre place. Des bisons dans le Jura. Des autruches, encore elles, installées dans le doux pays angevin. Ce n'est pas de la fiction. Demain, on nous servira à la cantine, à la place de l'osso bucco, du boa constrictor, accompagné de fourmis rouges grillées à la nette. Réveillez-vous! La bataille ne fait que commencer! Il en va de nos traditions. Manger du singe, des termites juteuses, modifie son homme. Ce bipède un peu distrait n'est en fait qu'un grand fourreau. Tout ce qu'on met dedans le forme, lui tient lieu de corps. Il est temps qu'il se réveille pour ne pas disparaître. Sinon on ne verra plus sur terre que des corps pâles, diaphanes, se tenant le ventre pour courir de toilette en cabinet d'aisance. On me prend toujours pour un plaisantin. Pourtant, le mal est à notre porte. Un arrêté de 1993 autorise sur l'ensemble du territoire français l'élevage et la commercialisation de la viande de ratite. Autant dire de la viande d'autruche.
Eh oui. On les croit occupés à sprinter à l'autre bout du monde, alors qu'elles font leur jogging quotidien dans le bois de Vincennes. Petite tête, mes grandes jambes. Petite tête, mes grandes jambes. Petite tête, mes grandes jambes. Que pensez-vous de ces fermiers qui élèvent ces tréteaux de compétition? Ils ont renoncé aux poulets de grain, aux dindes de Noël, aux veaux, vaches, cochons, couvés pour ces primitifs dégingandés. Il ne leur manque qu'une ceinture de banane, un peu de fond de teint, et à vous chanter sur un air africain, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Mais qu'elles y retournent, qu'elles aillent pousser ailleurs, comme elles n'ont pas grand-chose à offrir que des foulées et des battements de cils, je ne les vois pas s'imposer dans nos assiettes. À moins d'aimer les chairs sportives. J'imagine des files d'hommes en survêtement courant dans les sous-bois, derrière ces grandes jambes longues, pour ensuite se les offrir à dîner. Entre hommes, évidemment, encore lascives et couvertes de sueur. Notre époque préfère de loin les corps en mouvement, les vites dégrafées. Il faut dire que l'autruche n'est pas très couverte. On écarte trois plumes et elle est déjà prête. Et pourquoi pas un veau à consommer sur place? Courez, autruche, girafe, le veau nouveau est arrivé, le vrai plat de résistance, c'est moi. Et pourquoi pas un veau à consommer sur place? Je sens que les charters du retour poussent comme des champignons. Notre race a encore de beaux jours devant elle, de Frances Pass, nous les aurons. Je ne vois pas cette vidéo. Si vous voulez savoir où en est une personne, ouvrez-la et vous saurez si elle vaut vraiment le coup. La parlotte a toujours été un puissant anesthésiant, un écran de fumée. Ceux qui, sous prétexte d'écrire, prétendent échapper à l'inscription charnelle auront à l'écossage quelques déconvenus. Car on trouvera tout en eux. Les brouillons, les ratures et même les textes cachés. Évidemment, il est difficile, et la société est inflexible sur ce sujet, de goûter son prochain dès qu'il émet une parole, exprime un sentiment. Pourtant, quel gain de temps ce serait que de laisser fondre en bouche une déclaration d'amour. On saurait tout de suite si elle est de bon goût. Pourquoi n'invente-t-on pas des manières moins radicales d'accéder
au-dedans des corps. Des suçoirs, par exemple. Les tapirs ont de la chance d'aller avec leur langue longue et fine qui fouille jusqu'au tréfonds des terriers se sustenter de mannes, de termites et de fourmis. Je suis sûr qu'au jour du jugement dernier, les anges ne feront pas autrement. Plutôt que de nous peser l'âme, il leur sera préférable de nous cuisiner. La gamme des saveurs est infinie. On sait tout de suite reconnaître en bouche ce qu'on aime, désinfecte. Dieu seul reconnaîtra les siens dès qu'ils franchiront le seuil de son palais. Allons, mesdames, messieurs, à vos chairs, si vous n'avez pas pu vous constituer un bon fond, mangez-moi. Mangez-moi. Mangez-moi.